On les entend rugir, les démons, se dit Kiyoshiro. Effectivement, on entendait sans cesse des rugissements. Sans le moindre instant de répit, les démons enfurés lançaient des hurlements de toute leur épouvantable voix. Et ils faisaient trembler jusqu'au solide bâtiment de pierre où se cachait Kiyoshiro. Les bruits des voitures, les sirènes des ambulances, les grincements des grues sur les chantiers de nuit, le roulement lointain des derniers trains, bref, tous les bruits de la ville lui semblaient alors comme autant de rugissements des démons. Kiyoshiro, immobile, résistait. À Tokyo, dans le quartier de Setagaya, dans cette demeure, a vécu et travaillé jusqu'à sa mort, le 29 janvier 1991, l'un des plus grands écrivains japonais, Yasushi Inoue. Non pas en marge, mais au centre même de la réalité tumultueuse. Isolé comme dans l'œil d'un typhon, peut-être pour mieux repenser le présent à la lumière du passé. Modestement, il disait de lui « J'ai été longtemps journaliste. Il ne s'est pas passé une journée sans que j'écrive. J'ai acquis la capacité d'écrire des petites nouvelles en même temps que de longues histoires, faciles à lire, publiées dans les journaux. » Quand je me penche sur ce travail, j'ai un peu l'impression de contempler un jardin à l'abandon. Des amaryllis qui ont poussé à tort et à travers, des roses dont la tenue laisse à désirer. Le tout envahi par les mauvaises herbes. Oui, c'est vraiment un jardin à l'abandon. Chaque fois que je le regarde, il me semble un peu différent. Parfois, sous le soleil, je le trouve plein de clarté. Certains jours, il m'apparaît plongé dans l'ombre, silencieux et lugubre. Mais qu'importe la façon dont je le vois, puisque ce jardin à l'abandon, c'est moi-même. Quand je pense à mon père assis ici, mon père en train d'écrire, l'image qui me revient toujours, c'est celle de son dos. Quand il travaillait ainsi, je n'osais pas entrer dans la pièce. Je restais sur le seuil, ce qui fait que je ne voyais que ce dos. Et c'est à cette silhouette aperçue de dos que j'adressais la parole. L'impression que j'en garde, c'est celle d'un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il me semblait toujours au bord de l'explosion. Je le ressentais comme quelqu'un de terriblement impétueux. D'ailleurs, quand il écrivait, on sentait bien son attitude qu'il n'était pas question de le déranger. Mais petit à petit, à mesure qu'il prenait de l'âge, il s'est adouci, il est devenu beaucoup plus abordable. Je pouvais l'interrompre à n'importe quel moment, et alors il me disait gentiment « Mais si, entre donc !» 42 ans. C'est l'âge où Inoue fait son entrée en littérature. Ses débuts tardifs n'empêcheront pas l'abondance d'une œuvre qui compte près de 50 romans, et plus de 180 nouvelles. Cheminement sur deux voies, tantôt parallèles, tantôt entrecroisées, celle du roman historique, celle des textes d'inspiration autobiographique, cette œuvre semble traversée pourtant par une seule et même obsession. Comment des êtres solitaires, aux prises avec des circonstances extérieures qui les dépassent, s'y prennent-ils pour aller jusqu'au bout de leur destin? Dans Histoire de ma mère, ouvrage autobiographique publié en 1977, Inoue dit avoir donné le meilleur de lui-même. Ce livre, c'est avant tout le regard d'un fils sur sa mère âgée, dont la mémoire se détériore par pans entiers. Ses souvenirs les plus chers s'effacent, se dérobent. Inoue, angoissé, assiste à cette progressive dégradation qui mènera jusqu'à la mort cette mère qui fut tellement absente de sa vie. Inoue la regarde s'éteindre avec une infinie tendresse. À l'hôtel Kawana, nous nous installâmes dans plusieurs chambres qui donnaient sur la mer, d'où nous voyons une vaste pelouse. En attendant le dîner, nous nous promenâmes en plusieurs groupes dans le jardin.
Depuis notre arrivée, ma mère laissait échapper des remarques amères. « Ce n'est pas Izu, ici, ce n'est pas comme ça. » Elle avait l'impression de penser sans la moindre réserve « Vous avez beau vous exclamer, c'est magnifique, vous ne me convaincrez pas. » Son expression trahissait un léger sentiment de révolte qui lui donnait davantage l'air d'une fillette de 10 ans que d'une vieille femme de 80. À 150 km de Tokyo, dans cette presqu'île d'Izu, que sa mère est si déçue de ne pas reconnaître, se trouve le village de Yugashima, berceau de la famille d'Inoue. Là, Yasushi passe son enfance dans la maison de celle qu'il appelle sa grand-mère. Il s'agit en fait d'une ancienne geisha, maîtresse de son arrière-grand-père. Le petit garçon, dont le père, médecin militaire, est ballotté de garnison en garnison, a été confié momentanément à cette vieille femme qui, se prenant d'affection pour l'enfant, va tout faire pour le garder. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Nous avons décidé que Kosaku resterait ici. Nanae, sa mère, répétait toujours la même chose. Voyant que sa volonté demeurait inébranlable, grand-mère Onui, après avoir gémi tant et plus, prit le parti d'être poli. Je vous en prie, rendez-moi Kosha. Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez l'intention de me renvoyer seule sans lui. Vous n'allez pas me laisser vivre seule dans ce dozo à la campagne, dit-elle. Mais Nanae ne voulait rien entendre. Alors grand-mère Onui continua. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de demander à Kosha ce qu'il en pense. S'il dit qu'il veut rester, je vous le laisserai sans faire d'histoire. Mais s'il dit qu'il veut rentrer à Yugashima, je vous demande de le laisser faire. Finalement, l'enfant passera 6 années en compagnie de la vieille femme, menant une existence insouciante dans une campagne que le progrès n'a même pas effleurée. Des liens privilégiés se tissent avec sa grand-mère. Il compense le manque cruel de sa propre mère. Son enfance, magnifiée ensuite par la mémoire de l'écrivain, est l'un des thèmes majeurs de son inspiration, exploité dans un certain nombre de livres, dont le plus représentatif reste Shirobamba, paru au début des années 1960. De l'endroit où il se trouvait, il voyait les champs en terrasse descendre vers le ravin, et plus loin la route de Shimoda, où avait disparu la voiture qui emportait sa mère. Durant son séjour au village, il n'avait pas été particulièrement attiré par cette femme cruelle, mais à présent, elle lui manquait infiniment. L'image de Nanae, agitant la main par la fenêtre, restait gravée dans son esprit. Il en éprouvait une profonde nostalgie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Dans Shirobamba, l'évocation, sur le mode intimiste, des découvertes et des joies de l'enfance vient contrebalancer l'isolement du petit garçon. J'ai l'impression que ce que Yasushi désirait, c'était de la tendresse. Yasushi aimait être entouré d'amour, vous savez, comme quelqu'un qui a envie qu'on le serre tendrement dans ses bras. Il ne faut pas oublier qu'il a été élevé par sa grand-mère. Mais celle-ci avait elle-même besoin de protection parce qu'elle n'était pas vraiment intégrée à la famille. Alors, pour se protéger, au lieu d'élever soigneusement son petit-fils, elle l'a gâté. Elle le servait même plus qu'autre chose. À cause de cette éducation, il avait pris l'habitude d'agir à sa guise. Ce qui ne veut pas dire que c'était un homme capricieux ou égoïste, au contraire. Il était finalement assez peu. Mais enfin, dans son enfance, on lui laissait faire ce qu'il voulait. Je crois que du coup, il avait besoin d'un climat qui lui rappelât sa grand-mère. Et j'ai donc essayé, pendant toute ma vie, d'avoir avec lui une relation comme celle qu'il avait connue avec sa grand-mère. À 12 ans, quand il est en dernière année d'école primaire, sa grand-mère meurt. Il quitte alors le village de Yugashima pour rejoindre ses parents. Enfin, il retrouve sa mère. Il réussit le concours d'entrée au collège de la ville. Mais au bout de 2 ans, il est de nouveau séparé de ses parents, car son père est envoyé en poste à Taïwan.
Recueilli par une de ses tantes, il change de collège. Tous ces bouleversements ne favorisent pas ses études. Pour le contraindre à étudier, on le met en pension dans un temple zen. Peine perdue, il redouble plusieurs fois. Puis, Inoue passe d'une université à l'autre, de la médecine à la philosophie. Dans l'insouciance, il diffère jusqu'en 1936 son entrée dans la vie active. À travers la pratique intense du judo, il découvre une forme d'ascétisme. Par ailleurs, il fréquente de nombreux poètes. C'est au cours de ses 10 années de vie d'étudiant que s'affirme son goût pour la littérature. Pendant cette période, il adresse des poèmes à diverses revues. Lui-même crée, avec des amis, une revue de poésie. La période qu'il a passée à l'université est très longue. En fait, cela correspond à la situation de l'époque. Il n'y avait pas de travail, mais Inoue n'avait pas non plus très envie d'en chercher. Lui-même expliquait cette absence de motivation par le fait qu'il était paresseux. Il parlait de paresse, mais il faut dire aussi qu'il était relativement courant à cette époque, pour un étudiant, de ne pas trouver de débouché au sortir de l'université. Simplement, lui, il a bien profité de cette situation. Et comme il n'y avait pas de travail, eh bien, comment dire ? Ça lui a donné l'occasion de prendre des chemins détournés, de passer par d'autres circuits. Mais il faut dire qu'on connaît assez mal les détails de cette période de sa vie. Ce qu'on sait, c'est que pendant des années et des années, il a gardé son statut d'étudiant et qu'il n'a pas fait grand-chose. Il était encore à l'université quand il s'est marié et qu'il a eu son premier enfant. Et puis, il a fini quand même par en sortir diplômé. Mais à cause de sa paresse, il n'avait rien étudié du tout. Or, il a choisi d'écrire son mémoire de fin d'études sur Paul Valéry. C'est incroyable, d'autant plus qu'il ne connaissait pratiquement pas le français. Inoue lui-même évoque cette période dans son roman autobiographique Asunaro, publié en 1953. Ce titre, qui est aussi le nom d'un arbre spécifique du Japon, signifierait étymologiquement « Demain, je deviendrai cèdre ». Symbole des aspirations de la jeunesse, du désir et des difficultés de grandir, de se dépasser, il convient parfaitement à ce roman de formation. Tous les lycéens japonais ont lu ce livre, et beaucoup d'entre eux aujourd'hui encore se reconnaissent dans Asunaro. Le héros, un jeune bourgeois, est confronté à une période difficile. Son pays connaît la guerre et ses conséquences avant d'être confronté à l'humiliation. Le jeune homme traverse cette époque sans la juger. Ce qui lui importe, c'est la recherche de sa propre identité. Pendant ses études, Inoue adresse régulièrement des textes de nouvelles à des revues et des journaux. Il participe à des concours littéraires organisés par la revue Sunday Mainichi. Alors qu'il termine enfin ses études, il gagne en 1936 le prix littéraire décerné par une société de presse d'Osaka. La même année, ce journal l'engage et il commence une carrière de journaliste qui durera 15 ans. Monsieur Ooka évoque les débuts d'Inoue dans la presse. La direction du Mainichi Shimbun a trouvé qu'il était doué, mais comme il n'avait pas passé le concours de journaliste, je crois qu'il a dû être d'abord engagé comme pigiste, pas comme employé régulier. Mais étant donné son grand talent, il était très estimé au service culturel. Et ce qui pour lui a été une chance, on lui a demandé d'écrire des articles sur l'art et également d'aller interviewer des peintres. Et c'est cela qui lui a permis de se former en tant qu'écrivain. Fondamentalement, son patrimoine, c'est d'une part les beaux-arts, de l'autre ses rencontres avec les artistes. C'est comme ça que les choses ont commencé pour lui. D'abord, en écrivant des nouvelles pour gagner de l'argent, puisqu'il raflait tous les prix, et que ça lui facilitait matériellement la vie. Donc, finalement, il est devenu romancier un peu par la force des choses, mais simultanément, il a toujours continué à écrire des poèmes. Au début des années 30, le Japon envahit la Mandchourie. En 1937, Inoue est envoyé sur le théâtre des opérations comme correspondant de guerre par son journal, le Mainichi Shimbun. Il en reviendra marqué de façon durable. À la fin de la guerre, pour la première fois, l'empereur du Japon s'adresse directement à son peuple pour lui annoncer la défaite dans une langue ancienne et difficilement compréhensible.
À la fin de la guerre, quand le Japon a été vaincu, le jour même de la défaite, aucun journaliste n'avait envie d'écrire un article là-dessus. Or ce jour-là, le 15 août 1945, le sous-directeur du service culturel se trouvait avec lui au bureau du journal. Et il a donné l'ordre à Inoue d'écrire l'article en question. Inoue a donc rédigé un long article qui occupait toute la première page du Mainichi Shimbun. Un article est publié sous le titre « À l'écoute du rescrit impérial relatif à la défaite ». Ce rescrit, c'était la déclaration de l'empereur annonçant l'arrêt de la guerre. Vous pensez bien que dans cet article, Inoue n'a absolument pas évoqué son opinion personnelle. En tant que journaliste travaillant à l'importante société de presse qu'était le Mainichi Shimbun, il s'est contenté d'exposer le point de vue général de son journal sur cet événement. Et ça, c'est un point très important. Si on regarde l'œuvre d'Inoue, on se rend compte qu'elle n'a rien à voir avec ses romans d'inspiration autobiographique où l'auteur raconte uniquement ce que lui-même a fait ou ressenti. Une chose qui la différencie de ces romans-là, c'est que dès le départ, Inoue savait ce que c'est que de se faire le porte-parole de l'opinion d'une majorité de gens. Et une fois que l'on a fait ce genre d'expérience, alors très naturellement, on perd l'envie de centrer son œuvre sur ses réflexions personnelles. En ce sens, la carrière de journaliste d'Inoue a véritablement influencé son œuvre littéraire. Mettre l'accent sur l'objectivité, ne pas évoquer sa subjectivité. Après avoir vu beaucoup de ses amis disparaître dans cette guerre, Inoue poursuit sa carrière de journaliste dans un Japon en ruine. Un Japon qui doit supporter l'occupation américaine. Un Japon confronté au modèle américain. Les femmes se maquillent. La musique de jazz s'impose. Cette période de malheur, de trafic, de marché noir, de famine est déterminante pour Inoue. Le spectacle de la société japonaise désemparée le trouble profondément. Lui-même dit y avoir trouvé la volonté d'écrire son premier roman, Combat de taureau. Dans Osaka en ruine, pour lancer son nouveau journal, un rédacteur en chef imagine une opération spectaculaire, inédite, l'organisation d'un combat de taureau. L'acharnement du journaliste pour organiser ce combat, en dépit de tous les obstacles, est le thème central du livre, sur fond de déliquescence, de corruption et d'amour impossible. L'efficacité de cette nouvelle, où on décèle déjà toutes les qualités d'Inoue écrivain, lui vaut, en 1949, le plus prestigieux prix littéraire du Japon, le prix Akutagawa. Le sujet du livre s'inspire d'une véritable histoire, vécue par un ami d'Inoue. Le combat de taureau a effectivement eu lieu dans un stade qui, aujourd'hui, n'a pas changé. Lorsqu'il pénétra parmi les groupes de spectateurs, Tsugami ressentit pour la première fois une sorte de désespoir. Il s'assit sur le coin d'un banc vide et mouillé et resta immobile sous la pluie. Avec l'annonce qui signifiait l'interruption du spectacle, les gens sur les gradins se mirent à bouger. Ayant le sentiment de retenir de toutes ses forces quelque chose qui se brisait en lui, le journaliste restait obstinément assis, seul parmi la foule en mouvement. Tout d'un coup, il sentit que quelqu'un tendait un parapluie au-dessus de lui pour le protéger des gouttes de pluie. À l'instant même, il se dit que cela devait être Sakiko. Et effectivement, c'était bien elle. « C'est bête, tu vas prendre mal. »« Allez, lève-toi, » lui dit-elle. Comme si c'était un ordre. Avant mon mariage, ma mère m'a dit,
Le soir, si ton mari rentre à des heures impossibles, c'est déjà bien beau qu'il rentre. Alors il faut que tu sois là pour l'accueillir gentiment. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et donc je l'attendais même jusqu'à 3h ou 3h30 du matin. Je l'attendais dehors, devant la porte de la maison, à condition bien sûr qu'il ne plût pas. J'étais là, même quand il neigeait. Là-bas, à l'angle de la rue, il y a un panneau miroir qui a été installé après notre déménagement ici. Alors, dès que j'apercevais une voiture qui se reflétait dans le miroir, je me disais, ça y est, c'est lui qui rentre. Et puis, je pensais aux gens qui leur accompagnaient, les pauvres. Si mon mari était rentré plus tôt, eux aussi auraient pu aller se coucher plus tôt. Donc, pour moi, rester debout devant la porte, c'était aussi une marque de courtoisie à leur égard. Ces gens-là, ils devaient se lever tôt pour aller au bureau. Et pourtant, ils se donnaient la peine de raccompagner mon mari en pleine nuit. Alors, il m'aurait semblé très impoli de me mettre au lit sans les attendre. La publication de Combat de taureaux marque le passage progressif d'Inoue du monde de la presse à celui de la littérature. Interviewé vers la même époque, à l'occasion de la remise d'un autre prix, Inoue, malgré son début de notoriété, reste d'une grande simplicité. どの作品が、そうした賞の対象になりましたか。これ今とても申しましたが、分かりませんけれども、まあいずれにしましても、いかなる作品でもその作品なりに自分は努力してますから、愛情を持ってますから、どの作品で賞をいただいても、これはまあ、どれでも嬉しいと思います。将来、どうした仕事をするか、というようなことを先ほどからいろんなことに聞かれましたけど、 En 1949, Inoue renouvelle son passeport. Il change aussi de profession. Il était journaliste, il devient auteur. Pourtant, il ne reniera jamais son expérience de journaliste. Il reconnaîtra volontiers qu'elle était essentielle à l'instantanéité et à la maîtrise de son écriture. Tu avais, cette nuit-là, pris la précaution de tromper tout le monde. Je veux croire que tu ne décidas pas de me tromper moi aussi. Mais pour ma part, à cet instant, je ne faisais aucune exception même pour toi. Aussi longtemps que je vivrais, je tromperais tout le monde. Non seulement Midori-san, ton épouse, et tous les autres, mais toi aussi, et même moi, telle est ma destinée. Depuis mon enfance, j'ai beaucoup lu les romans de mon père, et en les lisant, en voyant les héroïnes qu'il dépeint, je me suis toujours demandé avec surprise d'où pouvait lui venir cette compréhension de la psychologie féminine, cette justesse, notamment dans l'expression. Pour moi, il y a là quelque chose d'étrange. Il comprenait extrêmement bien ce que les femmes ressentent, ce qu'elles trouvent désagréable, toutes les impressions qui leur passent par la tête. Il en avait l'intuition immédiate. D'ailleurs, il disait souvent, « C'est curieux quand même que la plupart des hommes soient incapables de sentir ce qui peut déplaire à une femme. » Sur ce chemin, Inoue a imaginé le thème de ce qui est aujourd'hui son livre le plus connu, « Le fusil de chasse », publié également en 1949. Dans la presqu'île d'Izu, sur les lieux mêmes de son enfance, Inoue a vu l'homme solitaire, le chasseur, qui lui inspire le poème, prétexte de son livre. L'œuvre se compose de trois lettres, adressées au même homme, respectivement par son épouse, sa maîtresse et la fille de celle-ci. Dans ces lettres, Inoue sait capter, d'une écriture à la fois simple et foisonnante, éminemment poétique, les plus subtils mouvements du cœur féminin, avec une violence contenue. Cette même violence qui traverse la plupart de ses romans. C'était en février 1934, vers 9h du matin. Je me trouvais dans une chambre, au second étage de l'hôtel Atami, et je me rappelle t'avoir aperçu dans ton costume gris, sur une falaise,
en contrebas de ma chambre. C'est une histoire ancienne, très ancienne, aussi confuse aujourd'hui qu'un rêve. Mais écoute-moi et garde ton sang-froid. Quelle fut ma douleur lorsque ce haori de soie orné de chardons brillants frappa mon regard. Celle qui portait ce vêtement, une grande et belle femme, s'est approchée de toi. Je ne m'étais pas attendu à ce que mon pressentiment se vérifiât aussi exactement. Et pourtant, c'était pour savoir s'il était fondé ou non que j'étais accouru, après avoir passé toute la nuit dans le train sans même fermer l'œil. Suivant le cliché banal, si j'avais vécu cela en songe, j'aurais voulu m'arracher à ce cauchemar. Le souvenir que j'en ai, c'est que mon père écrivait. Il n'arrêtait pas d'écrire du matin au soir. Et pendant ce temps, il avait l'air terrible, farouche, on aurait dit un démon. S'il travaillait tellement, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas refuser les commandes. Je crois que c'était plutôt, comment dire, parce qu'à partir du moment où il entreprenait quelque chose, il était d'une nature à vouloir le faire le plus parfaitement possible. Au moment où mon père projetait de devenir romancier, son beau-père, le père de ma mère donc, lui disait parfois « Les romans, ce n'est pas avec ça qu'on peut gagner sa vie. Tu n'as qu'une main pour écrire, mais il faut deux baguettes pour manger. » Mon père me rapportait souvent cette réflexion. Et malgré tout, avec sa plume, il a réussi à entretenir sa famille et il a écrit un nombre considérable de livres. Et vous voyez ces idéogrammes, cette écriture, c'est vraiment lui. Le bleu outre-mer des courants, les vagues, avec leurs crêtes triangulaires, le grondement du ressac, rien n'avait changé. La mer telle que la voyaient les hommes des temps anciens s'étendait toujours là, sous les yeux de Kiyoshiro. Le long de la côte, on avait construit une route bétonnée qu'il n'avait pas vu lors de son précédent voyage à Tokyo. Et dessus encore, des voitures qui roulaient, serrées comme les grains d'un chapelet. Sans que l'on pût dire dans quel but ou vers quelle direction, elles semblaient rouler et rouler encore comme pour gagner quelques instants. Où qu'ils aillent, les Japonais courent sans cesse. Tous courent. Chacun semble dire, puisque tout le monde court, je n'ai plus qu'à courir aussi. Le point commun à tous les personnages d'Inoue, ceux de ses nouvelles, de ses romans modernes ou historiques, c'est leur regard distancié sur le monde qui les entoure. À la fois acteur et jouet des événements, ils ne tentent pas vraiment d'en infléchir le cours. De cette indécision, de cette ambivalence, naît un sentiment de trouble qui est l'une des composantes du climat propre à Inoue. La solitude est l'autre dénominateur commun de ces personnages, repliés sur eux-mêmes comme pour mieux supporter un destin sur lequel ils ont peu de prise. À partir de 1951, Inoue fait profession d'écrivain à part entière. Il est bien décidé à gagner sa vie et celle de sa famille grâce à sa plume. Très vite, il va se tailler une réputation de spécialiste de la Chine et de son histoire, avec des romans qui s'appuient sur une documentation vertigineuse, romans qui seront publiés sous forme de feuilletons et vont rapidement assurer sa célébrité. Il y a un écho constant entre l'époque que je vis et celle de mes romans historiques. Ce n'est pas que le monde qui m'entoure ne m'intéresse pas, mais j'y trouve peut-être moins de matière, excepté pour la période qui suivit la guerre. Ou plus exactement, on risque de sombrer en soi-même, de se complaire dans cette introspection qui reste le courant majeur de la littérature japonaise moderne. La littérature du jeu. Le roman n'est pas un essai sur soi-même, c'est un récit.
La tuile de Tenpyo, publiée en 1957, est probablement le roman qui a le plus contribué à faire d'Inoue le spécialiste de l'histoire de la Chine. Certains y voient même son chef-d'œuvre. J'avais commencé à écrire ce roman, mais je n'étais absolument pas sûr de moi. Allais-je être capable de dépeindre de façon convaincante le personnage de Ganjin, cet éminent moine étranger qui a puissamment marqué de son empreinte l'histoire du bouddhisme japonais? Avec une grande anxiété, mêlée d'une certaine dose d'or mort, je contemplais la statue de Ganjin. Comme je l'ai dit, j'avais déjà commencé à écrire, et je ne pouvais donc plus revenir en arrière. Mais je doutais vraiment d'être capable de donner vie dans mon récit à tout ce qui émane de cette figure. La tuile de Tenpyo, dont l'action se situe au 8e siècle, compte la saga de quatre jeunes moines japonais partis pour la Chine Tang avec une double mission. D'une part, rapporter le plus d'écrits possible sur le bouddhisme ainsi que sur les règles et pratiques de la vie monastique. De l'autre, convaincre l'un des plus grands sages de l'époque, Ganjin, de venir dans ce pays barbare qu'était alors le Japon aux yeux des Chinois. L'empire du milieu, au 8e siècle, puissant voisin occidental du Japon, se trouvait alors à l'apogée de sa gloire et de son rayonnement. Inoue relate les 12 années qu'il leur faudra, contre vents et marées, contre tempêtes et naufrages, pour finalement réussir à traverser la mer du Japon. Et même si le vaisseau portant les précieux manuscrits a sombré, Ganjin, devenu aveugle, parviendra enfin, en l'an 753, à rallier les côtes japonaises pour jeter dans l'archipel les bases de l'enseignement du bouddhisme. L'empereur fera construire pour lui le Toshodaiji, aujourd'hui encore l'un des plus importants monuments religieux de Nara, l'ancienne capitale du Japon. La beauté de ce temple témoigne à la fois d'une maîtrise artistique et d'une haute spiritualité qui se sont développées au contact de la Chine. Inoue est fasciné par toutes les contrées au-delà des mers, au-delà de l'horizon. Un grand nombre de ses romans se situent en Chine, en Mongolie et dans d'autres pays bordant la route de la soie. Dans l'histoire, Inoue traque avant tout la matière romanesque. Il recherche tout ce qui, dans le passé, donne du sens au présent, tout ce qui les relie l'un à l'autre. Mais au bout du compte, même dans ses romans dits historiques, c'est toujours son imagination qui l'emporte. L'histoire, elle-même, comprend des éléments romanesques, je ne donne qu'un peu de réalité. L'histoire est tragique, elle s'avère être comme un regret vis-à-vis de la mort inéluctable. Mon père était un homme qui prenait énormément de notes. À ce propos, il avait une manière bien à lui de voir les choses. Il disait souvent, « Les gens intelligents sont capables évidemment de retenir toutes sortes de choses. Mais moi, personnellement, je ne fais pas du tout confiance à ma mémoire. D'ailleurs, même quand on a une très mauvaise mémoire, après tout, on a toujours la solution de prendre des notes, par exemple pour écrire que ce jour-là, à telle heure, la montagne, les ombres étaient comme ci ou comme ça. » Et ça vaut bien mieux que la mémoire des gens intelligents. Parce que la mémoire, ce n'est pas fiable. Il y a beaucoup plus d'exactitude dans tout ce que l'on consigne par écrit. C'était son point de vue. En voyage, dans la journée, il prenait donc des notes. Et puis il rentrait à l'hôtel, et là, parce que vous savez, mon père était un homme qui adorait boire et bavarder. Le soir après le dîner, il se retrouvait avec tout le monde pour faire la fête, en somme, et pour discuter. En général, ces petites réunions se terminaient vers minuit. Et à la fin, comme on s'était tous levés aux aurores, on se séparait en disant « On n'en peut plus, allez, bonne nuit ». Mais lui, le lendemain matin, quand je le retrouvais, il me disait « Regarde, Yoshiko !» Et il me montrait un cahier presque entièrement rempli des notes de la veille qu'il avait mises au propre. Il y avait en lui une énergie qui me paraissait inimaginable. Je pensais « Ça veut dire qu'au moment où je m'écroule dans mon lit parce que je suis épuisée, pour lui, la nuit commence. » Il continue à boire et il met de l'ordre dans ses notes. Et ça se passait comme ça absolument tous les soirs. Puis Xinte se résigna au fait qu'il ne pouvait ni se sauver, ni sauver la caravane. Alors il ralentit le pas et s'en alla au hasard devant lui. Il décida de marcher tout droit sans essayer de rien éviter, quels que soient les obstacles. Ça ne pouvait pas être pire que de ne rien faire du tout.
tout en conduisant son cheval. Il alla alternativement de la lumière aveuglante des colonnes de feu à l'obscurité la plus sombre, en marchant du même pas vers ce qu'il pensait être l'ouest. Il traversa des espaces couverts de cadavres, gravit des collines et franchit des marais. Quelques années plus tard, Inoue revient sur le site qui lui inspira en 1959 les chemins du désert. C'est ici, à l'ouest de la Chine, dans l'une des 1000 cavernes d'un lieu de pèlerinage bouddhiste, Dun Huang, qu'on découvrit des milliers de textes sacrés antérieurs au XIe siècle. D'où viennent tous ces documents? Qui les a ainsi cachés? Et pourquoi? C'est là le point de départ de ce roman historique. Le personnage principal, Xing Te, un jeune lettré chinois, se trouve malgré lui plongé dans d'incessantes batailles aux frontières de la Chine. Au cours des trois batailles, Xing Te s'était penché sur l'encolure de son cheval et sans rien regarder, s'était concentré uniquement sur sa fronde. Même pour quelqu'un de téméraire, cela demandait un certain courage de foncer dans les lignes ennemies. Mais le cheval de Xing Te conduisait son maître sans qu'on ait besoin de le pousser. À chaque fois, Xing Te s'était évanoui et n'avait repris connaissance que de retour à la base quand on l'avait descendu de son cheval. Xing Te n'avait aucune idée de la façon dont il avait traversé les lignes ennemies ni comment il était revenu.文学勲章が天から降ってきて、それに自分が当たったような気がしますね。非常に意外でも思いがけないことでもあり、それから非常に嬉しい。で、幸せだと思いますね。私はですね、作家っていうのは仕事する場合に飲み込むような、エネルギーがいるんです。それですから、ただ健康で10年生きてもなかなか書けないんですが、そのものを書くエネルギーを持った健康が 10年間欲しいんです。10年ってずいぶん限ったような言い方ですけど、丹崎潤一郎ですね。丹崎さんが風天老人に書かれたのは70代の終わりですね。丹崎さんの最後の傑作ですが、作家っていうのはやはり最晩年に一番いい仕事を置くことが理想でしょうか。 Les ouvrages d'Inoue sont traduits dans la plupart des pays du monde. L'écrivain collectionne les honneurs et les distinctions. Auteur érudit reconnu, il est devenu également une institution. Pourtant, plus que les honneurs, plus que la reconnaissance unanime, ce qui animera Inoue jusqu'à la fin de sa vie, c'est le goût, la passion d'écrire, encore et toujours. Mon père ne s'est jamais servi de machine à écrire. Comment vous dire? Je ne sais pas comment les gens s'y prennent à l'étranger, mais les écrivains japonais utilisent des feuilles divisées en petits carreaux, chacun étant réservé à un seul idéogramme. Et quand je revois l'écriture de mon père, ça me rappelle qu'il remplissait soigneusement chaque case, comme ça, à la main, ce qui fait que la page était complètement couverte de signes. Et toutes ces feuilles s'entassaient en piles énormes, tous ces manuscrits de romans. Et pour moi, c'était quelque chose de très impressionnant. Au début des années 80, Inoue sent venir la fin de sa vie. Malgré son âge et sa maladie, il n'a jamais été aussi productif. Avec une volonté inflexible, il se donne encore 10 ans pour aller, comme il le dit lui-même, vers une plus grande perfection de son travail. C'est alors qu'il compose « Le Maître de Thé » en 1981 et son ultime chef-d'œuvre « Confucius » publié en 1989. Avec « Le Maître de Thé », Inoue nous projette à la fin du XVIe siècle. Il veut comprendre comment Rikyu, le plus grand maître de la cérémonie du thé, a approché sa propre mort. Comment il s'est comporté face à elle. Rabisuki wa chan no kokoro desu. Jōjū, sune hi wo no mo issai sore wo mi kara hanashichai ikenai. Chan no iu kan yo. Chan no iu tte no wa ucha wa tateru koto desu. Chan no ucha wa tateru koto wa taisetsu datto.
その作家精神成就、その精神を失っちゃいかんと、四六時中。そして、茶の湯観葉を置き換えると、創作する、また大切だという。まあ小説家塾は小説書かないといけないから、これは当然のことですね。小説を書く前の言葉に、前に置いてありますね。作家としての、物を冷静に見ていく。その心を四六時中失ってはいけない。見ても覚めても失っちゃいかん。これは怖い言葉で、とてもできませんね。 帰りなさい。ここは常の道ではない。では、この道はやっぱりあの世の道。和尚様。 お茶を飲んでる、5分だら5分、10分だら10分の間は、そういう雑然とした雑時から切り離された時間ができるということですね。お茶を片方で立ってる、それをこう見ている、それで立ったら、これ、それをいただく。そして、家内は家内で、また立って自分でお茶を飲みますね。その間の、周り10分ぐらいかしら、あるいは前後入れると15分でも30分でもいいんですが、それはいい時間ですね。 Lorsque messieurs Soji et Oribe reçurent l'ordre de se donner la mort, ils acquirent pour la première fois une certitude, la même que mon maître. Ils découvrirent ce qui est le plus important pour l'homme de thé. Préparer sereinement le thé, laisser faire le destin, et ne pas tenter d'y échapper. Inoue est mort à 84 ans, le 29 janvier 1991, 2 ans après avoir achevé Confucius.